Et salut les gars, ici vos bords du 6-9 en compagnie de Soud Blas. Salut Soud! Bonjour Vauban. Comment tu vas? Oh bah comme d'hab. Il fait quel temps, Gelbic? Y a du soleil. Ah, bah nous. Et pas de nana. Ah merde, c'est chiant ça. Là pour te dire. Là, ce matin, enfin, juste début d'après-midi, même dans l'après-midi, il faisait grand beau, grosse canicule, et là, il flotte. Hein? C'est quoi ce temps? C'est quoi ces orages? Ça, en plus, ça rentre, c'est ça qui est chiant. Putain, il y a de l'air! Oui, désolé. Du coup, on est là pourquoi? Oh, pour se tremper! Non, je rigole. On est là pour le Kella de Tène 2.0, et oui, Rumba des boss, épisode. Oui, X, On n'en pardon, sait c'est rien. pas, parce que je sais jamais quel épisode que on est, par contre il flotte et je vous dis même pas comme ça trappe les vite. Bon ben, tout le monde s'en fout de toute façon, hein? Arrête de te plaindre. Bon, bref, revenons à nos moutons. Cessons de parler de temps, de pluie, de tout ce qui va avec. Bon, bon, Soud, ramène tes fesses. Ah, bonne idée. Oh, il y a Taylor qui Alors. court. Oh, Daniel aussi. Bon, bref. Bon, alors. Ah, donc voilà Maro. Attends, on laisse parler. Donc, assassinat Kella de Tène, niveau 35-40. Il vous faut pour entrer 25 points de jugement. Avant, il vous en fallait 100. On est d'accord, Soud? Oui. Ah, bien. Oui, si vous voyez que j'en ai 547, c'est parce qu'avant on devait en avoir 100, donc il fallait farmer les arènes. Bon, nous en sommes à là. Donc pour voir la BAD, il vous faudra faire 3 arènes. Naki, Yam et Bogdanov. On sait pas, c'est... Bogdanov. C'est une connerie. Vodiano et un truc comme ça. Vodka. Vodiano. Ouais, tu veux de la vodka, attention. Ah, Frost, la ferme. Et quoi, qu'est-ce qui t'arrive? La ferme. D'accord. Tu nous passeras tes glaces juste après. Ouh. Et ça vous faudra 8 platines et demi. La ferme, non, je paye pas. Bon. Pour entrer, la première, c'est l'arène Greener 40-40. C'est la première. Dès que vous l'avez battue, ça vous donne 10 points de jugement. Ensuite, c'est Yam. Yam, c'est niveau 60-60, augmenté de 20 niveaux. Il vous faut 10 points de jugement. Et comme vous les avez sur la première qui est Naki, vous entrez directos. Dès que vous avez fait l'arène, ça vous donne 15 points de jugement. Qui vous donnera à Vodianoi. Vodianoa. Oui, merde. Dès que vous avez. Donc pour entrer, il vous faut 15 points. Dès que vous avez fini cette arène, dès que vous avez réussi, ça vous donne 25 points de jugement. Les mobs sont niveau 85 par contre. J'espère que vous avez quand même de bonnes armes et de bonnes warframes, bien modées. Dès que vous avez fini ces 3 arènes, enfin dans l'ordre, dès que vous avez fini, si vous voulez refaire Vodianoi, vous pouvez le refaire autant que vous voulez. Ça vous donne 25 plus 25, ça s'accumule. Bon, je vous conseille d'en faire plusieurs à la fois si vous voulez farmer ça. Ensuite, vous allez directement sur Mero, qui vous aurez là les 25 points de jugement. C'est tout bon, j'ai rien oublié, Soud? Non, je pense pas. À part faire les arènes et puis aller après défoncer Kella de Tame, il y a tout Ouais, ce qu'il y a à bah faire. là, il ne restera plus qu'à faire Kella de Tame. Euphona, c'est bon. Yep. Galatine, c'est bon. Est-ce Carrier, qu'on a suffisamment de c'est points, c'est bon. nickel. Ça m'allège tout bon. Oh, ça tonne. Moi, c'est tout bon. Ah non, c'est peut-être un camion. Du coup, c'est parti. Ouais, c'est parti. Ah, c'est un camion. Alors. Non, j'ai pas envie d'accélérer. Trop tard. Désolé. Oui, on veut vraiment faire ça. Ouais, on veut te buter. Ça te dérange pas? Elle a dit non, ça la dérangeait pas. Ah,
Bouh! Ouais, tout le monde est dans leur atout. Ouais, bouh, vas-y. Bouh, les greeners! Bouh, je vous découpe! Bouh, t'appelleras pas les sentinelles! Ah si, il a appelé. Oh putain, carrier, le violent! Non, il arrive pas à passer, monsieur! J'ai réussi! C'est là, il faut rentrer dans le bitonio, dans le toyo. Ah! Oui! Oh, des caisses! Tiens, bouffe ça. Bouffe mon phage. J'aime bien le phage. Le phage étise le monde. Pardon, mec. Ah, le souvenir que j'ai du phage quand j'ai été faire une sortie attention. Avec le phage niveau 3. Ah oui! Attends, il y a un Ox. Aïe! Il est mort. Ah non! Il est mort. Bah, pas cool ça. Par contre, je suis presque full mana face à Rage. Ah, Gorgon Bepin. Il me reste 10 d'énergie. Il me reste, c'est bon, je suis full. Par contre, en termes de PV, en termes de PV, il me semble que j'ai perdu un peu un tiers de mes PV. Ouais, quelque chose près. Ouais, c'est rien. Ah, c'est bon, ma chère et super sentinelle me heal. Et bon, là, pour ça ouais, attends, on laisse la cinématique. Ouais, c'est joli. T'as vu comme il nous encourage? Ouais. Aucune chance. Par contre, ils auraient pu la faire parler, hein. Monsieur, d'où elle sort? Ils auraient pu le mettre les lèvres un peu. Tu vas être corrodé en feu, puis après tu seras en viral. La la li la l'air. Oh, c'est, oh, je te fais 3500 de critiques. De corrosif, pardon. Bah, déjà. Bah, ouais, là, t'as vu? Le phage, il est ultra puissant, le phage. Reste en l'air. Et regarde une petite astuce, si vous êtes avec Titania, regardez les frappes orbitales là où elles arrivent. Et vous pouvez les esquiver. Non, ils ont pas de chier, ça! De quoi? Tu peux plus te planquer en dessous! Bah non! Avant, tu pouvais te planquer sous les réacteurs. Mais t'es où? Ah. Par contre, j'ai l'impression que ta voix... Sous la plateforme, avant, tu pouvais te planquer. Ah, il me semble que ta voix, elle est un peu forte. Ah, je peux pas venir te reste pour l'instant. Ah ou pas le temps. C'est rien. J'étais planqué justement en dessous de la plateforme principale et. Par contre, ton son il est ultra fort. Il est ultra fort ton son. Défonce ses oreilles. Ah bon. Voilà, monsieur. T'as peut-être touché ton son, non? Bah non. Peut-être, c'est possible. C'est bon, elle revient. Ouais. Ah, attends. Où est-elle? Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là-haut. Wow. J'ai mis du bon sang du coup. Ouais, c'est possible. Essaie de te mettre dans un coin. Ah là, elle est en feu. Elle est en feu. Ah. Aïe. Elle se la joue en mode maniaque greener là ou comment ça se passe? Ouais, avec le truc de Valkyr. Par contre, j'ai plus d'énergie. Ah bon. Ah non, il y a pensée rapide qui vient de me sauver la vie. J'ai ramassé un de ces trucs. Ça devrait être bon. Ok. Je me mets en bas. Oh putain, je peux pas venir, Thérèse. Waouh. Et en plus, elle est juste au-dessus. Elle va bien. Je peux pas venir. J'ai plus d'énergie. Oh, c'est rien. J'ai pas d'énergie, je suis à 70, je suis à poil. Oh, 137. Pas... Oh putain, frappe orbitale. T'avais pas compris? Ah, j'ai pas vu! J'avais pas vu qu'elle s'est fait défoncer en fait. Non, non, j'y suis bon. Il
Non mais qu'est-ce que tu passes devant moi? Ah je suis congelé. Je vais pas pouvoir esquiver. Si on y fait. Ah ça c'est bon, celui-là est pas bon. Le mien est bon. Ah, moi aussi c'est tout bon. C'est bon ? C'est tout bon. Allez où la salope ? Elle est là ! Ah. Ah, beaucoup mieux que le phage. T'es mort ! Allez, brute ! Bah ! Bah ! Alors ? T'es moche. Ah, j'avoue, hein, j'ai jamais regardé au dessus près. Heureusement que j'ai pas un sniper. Comment est-ce qu'elle peut encore parler vu qu'elle est morte ? Ah, bonjour, Méridien. Ben. Mais elle disparaît pas. Et on peut l'envoyer au paradis maintenant. Bah je sais pas, vas-y. Allez papillon, aidez-la. Attends, peut-être avec le phage. Non, d'habitude ça déplace les cadavres, mais alors là elle est clouée au sol. Collée, comme de la merde. Bon bref, t'as récupéré. C'est rien. Ouais, j'ai récupéré le mode. Bon, on peut extraire alors. C'est tout. Oh ah, non, mais sérieux. Oh, je pirate, t'inquiète. Il te protège. Ouais, bon, t'as pas vraiment besoin, mais... Non, pas trop. Moi, comment il s'est fait voler? Un autre volant. Reviens. Comment il a volé? Reviens. Comment il a volé le Nox? Allez. Je l'ai vu partir. Mais j'ai pas compris. Moi non plus. J'en ai profité pour lui balancer le 1. Ah c'était beau. Ah I believe I can fly. Ah Titania elle est super cool à jouer. Peut-être petit, mais tout ce qui est petit et mignon est mortel, hein. C'est vrai. Alors, rayon régène. Putain. Oh, ah mais... C'est cool, mais je l'ai déjà. Moi aussi, ça... Pourrait bah, tout oui. Vous dire, j'ai dû faire quelques fois un peu le boss, vite fait. C'est la première fois depuis... Bah, depuis l'event que j'ai ce mode. J'en ai eu un rayon régène dans l'event. C'est le seul. Là, c'est le deuxième. Sublime. Moi, ça fait plusieurs fois que je loot. Alors, Et évidemment, on drop Sarin. Ouais, et nous dropons Mamselle Sarin. Quel a de thème peut nous dropper? Non, elle l'a pas fait. Bon, jusqu'à trois choses. Un, attends, Sarin. Deux, des modes comme Rayon Régène. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mode? Qu'est-ce qu'il y a comme mode? Il y a pas pour l'eau grise. Je pense pas que je vais les scanner. Accélérien formant rien. Il y a peut-être ça qu'elle drop. Qu'est-ce qu'elle peut dropper d'autre? Batterie silencieuse. Je pense que je n'ai jamais scanné. Ah. Ah, c'est dommage. Chambre sur ressort, c'est peut-être... Ouais, j'ai... Je crois pas que c'est ça. Non. Oui, merci le Lotus. Tata Lotus ou le Lot. Ou Tutus. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle peut dropper d'autre? Grand œil, non. Je me rappelle pas s'il y avait des... Je me rappelle pas. Il y en avait un... Si je tape au gris, par exemple. Non, ça c'est mon Riven de gris, mais non. J'en sais rien. Bon. Napalm du Nightwatch. Napalm.
Napalm du Nightwatch. Les roquettes dispersent du napalm infligeant 5% de dégâts sur, par une seconde sur 15% de la durée. Enfin, quand il est maxé, ça donne ça. Voilà. Et divers autres modes, je crois qu'il y a 6. Il y a pour les comacs, si je dis pas de bêtises, il y a pour certains fusils. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Elle donne du sarin et les comacs jumeaux blueprint. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon petit Swood? Je me posais la question en fait. Tu vois, on a vu un Nox, mais alors je me disais, l'arme qu'ils utilisent, est-ce qu'on peut l'avoir, nous? Qu'est-ce qu'ils utilisent, le Nox? Ben, je sais pas, on dirait que c'est une arme qui t'envoie des projectiles boules de collants. Attends, ouais, ça me dit quelque chose. Attends. On fait un petit détour par les mobs d'abord. Désolé. Nox. Qu'est-ce que ça? Là, j'ai pris un Nox Eximus. Ouais, moi aussi, j'ai vu le Nox Eximus, mais... Je les ai scannés, moi, déjà. Ça ressemble à... La Creed. Non, Nox. Pas la Creed, Mince, comment elle s'appelle, cette arme? Pas l'Epox, Le Stug. Le Gris. Ça doit être un Stug, mais version... arme principale. Version arme principale, parce qu'il fait des dégâts corrosifs, le Stug. Quelle sale tête qu'ils ont, franchement. Ah! Bon, on va prendre Mamselle Sarin. Déjà, je vais vous montrer Sarin. De la boue empoisonnée, moi. De base, voilà à quoi elle ressemble, Sarin de base. Voilà. C'est ce que vous aurez sauvé. Mais pour vous présenter, je préfère Ririn Prime. Voilà. Ou Ririn Orphide. Hein. Bon, bref. Non, pas apparence. Pouvoir. Alors, si je me trompe, tu me dis, on peut me tromper. Bon, les sports, alors pour vous dire, Sarin est une Warframe combo. Là, on est à peu près d'accord. Alors, les sports. Alors, je vais vous mettre en... sans les modes, voilà. Déjà, de base, les sports en portée, elle est immense. C'est immense, les sports en, en portée. En durée, déjà, 12 secondes de durée, c'est déjà plutôt sympa. Les spores affectent les cibles avec des dommages viraux sur la durée. Détruire la spore la propagera aux ennemis proches. En gros, vous voyez un ennemi, enfin si vous n'avez pas débloqué la mue, je reviendrai sur la mue. Quand vous voyez un ennemi, vous utilisez le spore sur lui, il est affecté par des dégâts viraux. Si vous l'explosez, il me semble que vous faites son ulti. Ou vous le tapez dessus avec une arme de mêlée. Ou une arme n'importe laquelle. La deuxième, mue. Muant comme un serpent, Sarin laisse un leurre derrière elle pour attirer les ennemis. Il y a un mode syndicat qui est super sympa qui permet de vous restaurer en santé. Durée de base qui est quand même aussi énorme, 40 secondes. Portée 10 mètres d'explosion. Ah ouais, pas mal, pas mal. C'est quand même plutôt bien pour Sarin. Pour Sarin, vous posez sur sa mue et vous mettez les spores sur la mue et vous faites spammer le 1, puis après vous tapez avec votre arme de mêlée ou votre arme ou voilà, ou quelqu'un le tape. Et vous verrez que sur la zone, ils auront des dégâts viraux. C'est un os mutaliste, tu balances le gaz dedans et tu fous les spores et ils se pètent automatiquement. D'accord. Ça je le savais pas, comme je joue pas le Cernos avec Sarin, j'utilise plutôt le Phage maintenant. Je trouve que c'est une arme qui va plutôt bien le Phage. Comme c'est du poison, enfin c'est, ouais. C'est du viral. Voilà. Il fait plusieurs statues avec le Phage, j'adore cette arme, elle fait bourbeau. Bon bref. Revers toxique, quand activer les attaques de mêlée répandant des spores qui se propagent aux ennemis proches. Semblait que ça faisait des dégâts de poison ça. Ouais, Le 3, c'est ça, non? Revers toxique. Ouais, quand activer les attaques de mêlée, répandre des spores. Bon, bah en gros, ça fait le pouvoir 1 de Sarin, si je dis pas de bêtises. Ils ont modifié alors ça? Bah ouais. Parce qu'il me semblait que ça faisait des dégâts de poison. Oui, avant tu faisais des dégâts de poison avec ta mêlée. C'est ça que je comprends pas. En même temps, ouais, je joue pas souvent Sarin, je la joue de temps en temps, mais voilà. Pareil. Le 3, c'est pas un pouvoir que j'utilise. Moi, j'utilise à chaque fois, mais c'est vrai, quand Sarin fait son pouvoir, c'est comme s'il utilisait ses spores. À mon avis, c'est des spores. En gros, elle fait des dégâts viraux. Il semblait qu'elle faisait des dégâts de poison avant. Ouais, moi, elle faisait du poison. Bah ouais, il me semblait que c'était ça. Bon, bref. Oh, dégâts parés. En gros, 0,4, 0,6. Ah, je me suis jamais intéressé à ce que ça voulait dire. Tu parles des dégâts? D'accord. Bon, miasme.
À l'aide de d'émanations nocives, Sarin pollue l'atmosphère. Putain, Sarin! Oh, le réchauffement climatique, tu connais? Pardon. Pardon à toutes les personnes qui adorent Sarin. Pollue l'atmosphère avec un brouillard toxique qui attaque tous les ennemis à la portée et désintègre instantanément toute matière. Mais miasme, ça faisait pas des... Il me semblait que ça faisait des dégâts corrosifs, ça, miasme. Non, hein, bah, Sarin, c'est du poison, pourquoi elle ferait du coro? Bah, regarde, le premier, c'est du viral. Bah, justement, tu peux... Avec Sarin, je pense que tu peux combo aussi avec le 1 et le 4. Ouais, ouais, bah ouais. Tu balances les spores sur les mobs ouais, et tu fais tout le... Quand tu balances le 4, les spores explosent. Ouais, ouais, tu les éclates. Les spores explosent, puis tu balances ton nuage, en fait. Ah, d'accord, c'est... brouillard toxique, donc ça fait des dégâts de poison. En gros, si vous voulez jouer Sarin, faites 2, 1, 4, 3. Ou 2, 1, 3, 4. 2, vous posez la mue. 1, vous foutez les spores sur la mue. 3, vous utilisez les trucs là et vous tapez avec votre arme de mêlée sur la mue. 4, vous explosez. Point. Alors, sans les stats, 15 mètres de portée, 350 de dégâts à la seconde et durée 3 secondes. Voilà. Et la capacité passive de Sarin, les effets de statut infligés aux ennemis durent plus longtemps. Au lieu que votre arme fasse, ou votre dégâts fasse, qui dure 10 secondes, on va dire qu'elle va en durer 15. Enfin, c'est un truc comme ça, je sais pas combien de temps ça dure. Sur Sarin. Mais c'est une Warframe que je me suis pas trop intéressé, même si je... Enfin, intéressé en termes de pouvoir. Je sais combien elle a joué, mais je me suis jamais trop intéressé au nom, enfin, de ce qui était marqué. Mais il me semblait que le 3 faisait des dégâts de poison, mais alors que maintenant il fait des dégâts de sport, d'accord. Et Mias faisait des dégâts de coraux, il me semblait. Bah après, je peux le me tromper. Le miasme, je suis pas sûr. Non, moi non plus. Ouais, le miasme, je ne suis pas sûr, franchement. Du corrosif, ça m'étonnerait quand même un peu. Bah, il me semblait que ça faisait des dégâts de coraux. Bah après, on peut se tromper. Je ne sais pas. Ouais, ouais, y a pas de souci. Ouais, mais ça c'est quand même dérangeant. Pour la petite Sarin. Bon, bah, je crois que la vidéo touche à sa fin. Hein. Il me semble qu'on a à peu près tout dit. C'est quand même chiant d'avoir un doute sur les pouvoirs, hein, quand même. Ah ouais. T'es chiant. Bon. Ah, 10! La ferme! Tiens, ils ont refait le céphalon. Ils ont refait le céphalon. Or 10. T'es pas comme ça, va. Bon, sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Enfin, si vous avez des réponses à nos questions qu'on a posées, enfin, ou des suggestions, des trucs comme ça à dire sur Sarin, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Nous le dire dans les commentaires, puis voilà. Voilà. J'ai perdu le mot que je voulais dire, la phrase. Parce que je regardais Sarin. Enfin, je regarde plutôt ses cheveux. Enfin, voilà, si on peut appeler ça des cheveux. On peut appeler ça quoi? C'est quoi, on va dire, ça... Ça... C'est quoi, on peut... Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est... Qu'est-ce qu'on peut dire, ça, sur Sarin, là? Sur le haut de sa tête, là, c'est pas des cheveux, si? On peut dire que c'est des cheveux sur Sarin? Zoid? Bah... Pas des cheveux infestés, je dis. Voilà, des cheveux. Non, pas, peut-être pas infestés, c'est pas une noire femme infestée. C'est une noire femme. Ou alors elle a compactisé tous ses cheveux, elle a foutu du gel et puis voilà. Voilà, c'est ça. Je sais c'est, pas. C'est Nidus, la noire femme infestée. Il y a beaucoup de personnes qui ont confondu Sarin avec une noire femme infestée, alors que non. Bon. Sur ce, les amis. Sarin fait du poison. Ouais, c'est peut-être. Ouais, ouais. Bon, sur ce, les amis, on va vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Sur ce, salut, salut, salut. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Warframe. Merci, Soud. Bon, allez. Moi de rien. Ouais. Ça fait plaisir. Bah, vie. Ouais. Bah, vie. Pff, tricheur, Xiphos. Ouais, c'est bon, on a compris. Bah, allez, salut.